Bonjour. Afin de pouvoir créer les QR codes qui renvoient des informations enrichies sur les personnalités inscrites sur les plaques de nos rues, plusieurs étapes sont nécessaires. Tout d'abord, il faut réaliser des recherches sur les personnalités qui sont indiquées sur ces rues. Pour ce faire, nous pouvons par exemple aller sur les sites comme L'Heure de la Libération qui propose plusieurs informations sur les personnalités qui ont aidé à libérer la France. Ensuite, une fois que vous avez copié ces informations, vous pouvez les coller sur un blog. Donc, il faut créer un blog. Ici, j'ai créé le webpédagogique.com, un blog sur le webpédagogique.com, et je peux rajouter donc des articles sur ce site avec le titre de la rue et des informations que je colle sur ce personnage. On peut y rajouter des images, mais aussi des vidéos. Publier ce travail et ensuite copier le permalien qui apparaît ici, qui va nous servir à créer le QR code. Pour créer le QR code, il faut aller sur un site qui s'appelle Unitag. Ce site va nous permettre de créer un QR code ici en collant le permalien qui est ici. Nous allons ensuite pouvoir obtenir un QR code de la couleur que l'on souhaite, l'enregistrer sous forme d'image pour ensuite le coller sur un document Open Office ou Word, y indiquer du texte pour flasher le code, imprimer ce texte, le plastifier et ainsi pouvoir le disposer comme ceci sous les plaques de nos. Bon travail de recherche à vous tous.